sur Zool, Code Integration Optimization, par Fabien Boucher et Mathieu Huin. Donc on va leur laisser la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Donc Fabien et moi-même allons vous présenter Zool, qui est un système d'optimisation d'intégration continue. Donc pour être plus précis, Zool, alors si vous avez des souvenirs de SOS Phantom dans votre jeunesse, Zool c'est le chien démon qui garde la porte des enfers pour le démon Gozer. Donc en fait ce nom a été pris parce que Zool, ce service qui est écrit en Python et open source, c'est un service qui a été développé par la communauté OpenStack, sert de gardien de la porte pour OpenStack, pour le code source d'OpenStack. Donc le rôle général c'est d'être un ordonnanceur de job pour la partie intégration continue d'OpenStack, mais également de s'assurer donc que le master des projets OpenStack est toujours sain et qu'on n'a pas on n'introduit pas de commits défaillants qui vont casser les tests. Donc ça, en fait, c'est vraiment un utilitaire. Enfin, ça aide ce qu'on appelle les développeurs core, donc ceux qui ont la possibilité d'intégrer du code, de faire des merges sur le code source, sur les patchs, avec les patchs, de décider si un patch peut être intégré en fait. Cela est fait comment? Ben en s'assurant que le patch est toujours testé sur la version la plus récente du master du projet. Donc on va faire un petit rappel d'OpenStack. Donc ça représente 43 projets officiels, chacun ayant donc ses sous-projets et ses délivrables distincts. Mais tous ces projets sont très fortement corrélés entre eux. Dans un cycle de développement qui représente 6 mois, on a environ 70 000 patch sets qui sont soumis sur les différents projets. Donc ça représente à peu près 400 patchs par jour. Donc vous avez intérêt à avoir une infrastructure de CI qui est capable d'absorber autant de patchs. Et vous avez également environ 15 000 membres de la fondation OpenStack, donc qui ont signé la charte OpenStack et qui peuvent par conséquent potentiellement publier des correctifs, des patchs sur chaque projet. Et il faut savoir aussi que quand un patch arrive sur un projet, ça peut représenter 25 jobs de test pour vérifier que ce patch est correct. Et certains de ces jobs peuvent prendre plus de 30 minutes pour être exécutés. Donc la façon classique d'intégrer du code quand on travaille sur un projet tout simple, où on est presque tout seul dessus, donc ce qui se passe, c'est que quand un core reviewer, donc un développeur qui a le droit de pousser des patchs sur la branche master, il va recevoir une notification via un système de revue de code par exemple, ou une pull request sur GitHub, ou même tout simplement un patch par mail. Donc on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord on va rebase ce patch sur la branche master pour l'intégrer localement. On va ensuite lancer la suite de tests du projet pour vérifier que le patch ne casse pas ses tests, qu'il passe correctement. Et si tout va bien, si les tests sont ouverts, super, ben on merge, c'est bon, c'est intégré. Sauf que ça, c'est un peu le pays des bisounours, ça ne se passe pas toujours comme ça. Parce que dans la vraie vie, souvent, ben on n'est pas seul à avoir le droit d'intégrer du code sur un projet. Quand les projets sont un peu grands, il peut y avoir plusieurs autres développeurs qui vont avoir ce droit aussi. Si les tests sont longs, parce que vous avez un projet assez costaud et du coup bah, ça peut prendre du temps, enfin un build pour faire des tests fonctionnels peut prendre du temps, ou même les tests eux-mêmes peuvent prendre beaucoup de temps. Et si vous avez aussi un projet très actif, ce que je vous souhaite, vous allez avoir aussi beaucoup de patchs qui vont être soumis à votre considération, et donc vous allez avoir beaucoup de travail à faire pour analyser tout ça. Donc dans ces cas-là, bah, vous pouvez avoir un problème, parce que quand vous faites le travail de rebase et de test localement ou sur votre infrastructure de CI, vous pouvez vous retrouver dans une situation où en fait le master que vous avez utilisé pour le rebase n'est plus valide, il est obsolète. Et du coup, ça peut mener à des gros problèmes, le plus gros étant que votre master est cassé, parce que ben, en fait, vous n'êtes plus à jour. Et quand le master est cassé, ben, tout le monde a une sale journée, parce que ben, plus rien ne fonctionne, et il faut passer du temps à essayer de trouver où sont les problèmes et à fixer ça. Et vous ne pouvez plus faire que ça, vous ne pouvez pas vous concentrer sur l'ajout de features ou des choses bien plus intéressantes. Alors pour régler ce problème, la communauté OpenStack et l'infrastructure OpenStack se basent sur trois outils pour essayer de pallier à ce problème. Si vous avez vu la présentation de ce matin sur Top Factory, on en a déjà parlé, mais on va faire un rappel ici. Donc les trois éléments importants, c'est Gerrit, le premier, donc c'est un système de revue de code. Le deuxième, c'est Zool, donc ça c'est la tête de Zool hein, dans Ghostbusters.
Donc il est pas très beau, mais il est quand même bien utile. Et derrière, les jobs sont lancés sur Jenkins. Donc je vais laisser la parole à Fabien. Donc merci Mathieu. Alors on va faire un petit rappel sur Gerrit, parce que c'est vraiment la source des événements sur le CI géré par Zool. Donc ici c'est la visualisation d'un patch qui a été soumis. Ce qui est vraiment intéressant de voir ici, important pour la suite, c'est que il y a deux labels importants, Code Review et Verified, qui sont des labels dans lesquels certaines entités peuvent mettre des notes sur le patch en question. Donc notamment Code Review, qui permet aux reviewers et aux core reviewers, donc ceux qui ont le commit bit, de placer une note sur le patch qu'ils ont étudié. Mais également un label Verify qui permet au CI, donc on voit en dessous Jenkins CI, mais en l'occurrence dans la présentation c'est Zool plus Jenkins, qui permet à ce CI de reporter une note sur le patch, dans l'occurrence positif, après l'exécution d'une première batterie de test. Et suite à la génération de notes sur le patch, des événements vont être générés par Gerrit et vont être gérés par le CI. Alors ici c'est l'environnement dans lequel Zool va fonctionner. Donc Zool vient s'intercaler entre le système de code review Gerrit et un master Jenkins. Zool s'occupe d'écouter le flux d'événements sur Gerrit et va être capable de trigger des jobs sur Jenkins. En fonction de l'environnement du patch sur lequel on aurait récupéré des événements via Gerrit. Zool est capable ensuite de reporter des notes dans les différents labels qu'on vient de voir sur Gerrit et éventuellement, dans le cas du gating de code, de merger les patchs qui ont été directement proposés sur Gerrit. Donc on va voir un petit peu plus en détail la notion de pipeline de Zool. Donc une pipeline, c'est un manager de job qui va suivre un comportement bien spécifique en fonction de l'environnement du job. Il y a deux types de pipeline dans Zool. Une pipeline qui est dite dépendant, qui va s'occuper de tester correctement un patch sur la dernière version du master, et pour ensuite le merger sur le master dans de bonnes conditions et d'éviter les phénomènes de patch de master cassé. Et également le pipeline de type indépendant qui est plus designé pour faire fonctionner des jobs qui seront par exemple quand un submitter soumet un patch, on veut lancer une première batterie de test, peu importe la version du master, et également de lancer des jobs d'intégration de code pour faire du déploiement continu ou du performance testing. Donc pour la suite des slides, la dépendante pipeline, on va l'appeler gate, pipeline de gating, et la pipeline indépendante, on va l'appeler pipeline de checking. Alors ici, c'est le workflow qui est établi au travers de Zool et Gerrit. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, quelqu'un qui veut soumettre du code donc va le soumettre sur le système de code review. Il va y avoir une première batterie de test qui est lancée via la pipeline de checking. Un reviewer, et spécialement un core reviewer, peut regarder le code en fonction de la note qui a été donnée par le pipeline de checking, si elle est positive, c'est-à-dire que les premiers tests sont passés, et que le core reviewer est d'accord avec ce qu'il voit, c'est cohérent, la proposition est cohérente par rapport au projet. Il peut décider, ok, je veux merger ce code dans le master. Ce qui va se passer, c'est qu'il a donné son approbation, et donc on va passer une dernière batterie de test, et on va s'occuper de rebaser le patch sur la dernière version du master. C'est Zool qui va s'occuper de ça, c'est plus le core reviewer qui va s'en occuper. Et si la dernière batterie de test, les tests de gating passent, le patch est mergé par Zool. Et après, il y a différents types d'événements qui permettent de trigger, par exemple, des jobs de deployment ou de performance testing. Alors bon, c'est un petit peu coupé, mais bon, on va voir l'essentiel. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que Zool est très visuel. Il donne une page de statut qui permet de voir en temps réel l'état d'exécution des jobs sur Jenkins. À savoir que les jobs sont démarrés par Zool. Ici, c'est simplement un patch qui a été soumis, un patch sur un projet qui s'appelle Demo Client, qui a été soumis et qui est testé via la pipeline de checking. Suite à l'exécution du job Demo Client Unit Test,
Si le job est positif, Zool va reporter sur Jenkins une note positive. Si le test échoue, il va reporter une note négative. Mais ce qui est plus important dans notre cas, c'est la pipeline de gating. Donc un job est exécuté dans la pipeline de gating si un patch a reçu une note positive dans le label verified de la part de Zool et Jenkins pour une première batterie de test, mais également si un core reviewer a donné son approbation en donnant une note de plus 2. Donc ça c'est très bien, le patch est rebasé sur le master, on peut l'intégrer. Mais s'il y a plusieurs patchs dans la pipeline de gating, Zool va avoir un comportement un peu différent. Rappelez-vous, cette pipeline est appelée dépendante pipeline. Donc elle va prendre en compte l'environnement d'exécution du job et l'environnement d'intégration du patch. Donc pour ça, Zool va faire de la spéculation sur les patchs en partant du principe où les patchs qui ont été placés dans la pipeline avant le patch en question, vont passer en succès. Et pour ça, Zool va avoir besoin de créer des dépôts temporaires. Donc il va s'occuper de créer des branches avec les patchs appliqués dans la branche qui va permettre de préparer l'environnement de test. Donc voilà. Donc comme c'est très visuel, on peut montrer le cas de deux patchs qui sont en même temps dans la pipeline de gating. Donc on a le patch 3 et le patch 4. Et ce qu'il faut dire, c'est que le patch 3 a été rebasé sur master lors de la préparation de l'environnement pour démarrer le test des mots clients unit test. Mais pour le patch 4, et pour permettre d'exécuter les deux jobs en parallèle, le patch 4 a été rebasé sur master, mais avec le patch 3 inclus. Donc si jamais le patch 3 finit en succès et émergé, ben on aura déjà testé le patch 4 sur la dernière version du master. Donc ça permet vraiment d'aller plus rapidement dans l'intégration de code et de le merge, l'intégration de code sur, par exemple, la master branch. Alors ici, on a un cas un peu différent. On a trois patchs dans la pipeline, mais on voit qu'on a le patch 6.1 qui va être en échec. Donc je reprends un peu le principe. Donc le patch 5.1, l'environnement a été testé, l'environnement a été préparé pour l'exécution de démo client unit test avec le master plus le patch 5.1 intégré. Pour le patch 6, on a préparé l'environnement avec le master plus le patch 5 plus le patch 6. Pour le patch 7, on a préparé l'environnement avec master plus patch 5 plus patch 6 et patch 7. Là, on voit que le patch 6 est en échec et Zool va avoir un comportement intelligent par rapport à ce phénomène. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va annuler l'exécution du job 7. Alors ça, c'est vraiment intéressant quand on a des jobs qui prennent longtemps à être exécutés, par exemple 30 minutes, 1 heure. Ça ne sert à rien de continuer le job sur un environnement qui est en échec et sur un patch qui ne sera pas mergé. Ce patch ne sera pas mergé, il sera discard de la pipeline. Le submitter devra revoir sa copie. Zool va éteindre le job ici et il va en redémarrer un avec le patch 7 rebasé sur master, sur le 5 et avec le patch 7 inclus. Et le patch 6 est complètement discard. Alors, quel bénéfice ça a ? C'est qu'on voit qu'on a que c'est Zool qui va s'occuper de merger le code sur la branche master et qui va s'occuper de préparer les environnements correctement pour être sûr que les tests qu'on lance sont vraiment, vont fonctionner sur le master avec le patch intégré en question. Donc ça évite les phénomènes de master qui sont cassés. Et ça augmente aussi le taux d'intégration de code. Il y a une autre feature qui est vraiment intéressante dans Zool, c'est le cross-project testing. Alors, on peut penser à des exemples comme, par exemple, un client-serveur, un software avec une suite de plugins. Et quand on a un job, par exemple, un test fonctionnel à lancer sur cross-project, on veut pouvoir créer l'environnement de test facilement et avec un seul et même job. Pas avoir à déclarer toute une suite de jobs pour prendre en compte tous les cas qui pourraient arriver. Donc on va prendre l'exemple de Demolib et DemoClient. Demolib, c'est simplement une librairie. DemoClient, c'est un software qui va se baser sur la librairie pour fonctionner. On veut avoir un test fonctionnel qui, dans le cas où un patch est proposé sur Demolib, on veut lancer le test fonctionnel sur Demolib plus le patch appliqué, mais également DemoClient en master. Si inversement un patch est proposé sur DemoClient, on veut appliquer le patch sur DemoClient master et checkout dans l'environnement DemoLib en master et lancer les tests.
Donc pour ça, Zool fournit un petit utilitaire qui est très pratique, qui s'appelle Zool Cloner. Donc on voit qu'ici c'est très simple. Donc ici c'est la déclaration d'un job dans Jenkins en utilisant un format assez spécial qui s'appelle Jenkins Job Builder, qui permet d'écrire ses jobs en YAML. Donc c'est pour ça que c'est assez simple. Ici on va démarrer deux fois Zool Cloner, une fois pour checkout démo client et une fois pour démarrer démolib, pour checkout démolib. Et ce qu'on voit pas ici, c'est qu'il y a une variable d'environnement qui est passée au job que Zool Cloner va utiliser pour checkout démo client avec l'environnement spécifique qu'on a envie de tester et checkout démo lib avec l'environnement qu'on a envie de tester. Alors ici, on va avoir un petit peu plus en détail le démarrage du job et les logs d'exécution de Zool Cloner. Donc on voit qu'ici, bon, il y a une partie qui est coupée, c'est dommage. Zool Project démo lib, c'est-à-dire qu'un patch a été proposé sur démo lib. On est dans la pipeline de checking et on voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle Zool Ref, qui est une branche spéciale qui a été créée par Zool et qui va être utilisée par Zool Cloner. Là, en l'occurrence, le patch est soumis sur démolib. Donc, on a besoin de démo client pour notre test fonctionnel. On check out démo client sur la dernière version du master. Par contre, démolib est automatiquement check outé avec master plus le commit qu'on veut tester d'appliquer. Ce job est valable si on a le phénomène inverse. Un patch est proposé sur démo client. Dans ce cas-là, démo client et checkout en master plus le patch appliqué, démo lib et checkout en master. Il te reste 2 minutes. Ok. Et donc ça c'est intéressant, mais c'est surtout intéressant si vous vous rappelez le comportement dans la pipeline de gating, ça s'applique aussi cross project. Donc là, on a le cas où on a un patch qui a été approuvé sur démo client, un patch qui a été approuvé sur démo lib, sensiblement en même temps. Et ce qu'il faut noter, c'est que dans notre cas de notre test fonctionnel, pour préparer l'environnement de ce test, Zool a checkouté démo client en master avec le patch 9.1, le patch 9 d'appliqué. Quand on teste démo lib, on est sûr que si jamais le patch sur démo client émergeait, eh ben, on peut merger directement démolib parce qu'on sait que ça va toujours fonctionner dans l'environnement adéquat. Donc voilà, c'était une présentation rapide sur les fonctionnalités de Zool, enfin celles qui nous paraissent les plus pertinentes. Si vous utilisez déjà Gerrit et Jenkins et que vous trigger votre job via le Gerrit Build Trigger, bah c'est assez simple. Je dirais que c'est un bon complément d'utiliser Zool. Et c'est aussi simple que d'un sudo pip install Zool. Si par contre vous n'utilisez pas Gerrit ni Jenkins, ou juste Jenkins simplement, avec Mathieu et les collègues, on travaille depuis plus d'un an sur un projet qui s'appelle Software Factory et qui intègre cette stack prêt à l'emploi, en fait, hein, Gerrit, Zool, Jenkins. Et vous pouvez même voir le projet. On utilise ce projet-là pour nos projets internes, ou même nos projets publics. Donc vous pouvez vous connecter sur l'instance et voir qu'est-ce que ça donne. Et si vous voulez plus d'informations sur Zool, je vous encourage à lire la documentation sur le site d'OpenStack, mais également un blog post qui nous a permis de créer ces slides, qui est bien plus complet que ces slides. Et vous aurez un bon aperçu de toutes les fonctionnalités de Zool. Donc voilà, on en a terminé. Donc si vous avez des questions, allez-y. Merci à Mathieu et Fabien. Arrêtez ça. Merci à Mathieu et Fabien. Donc, pour les questions, si... Oui. Oui, il peut répondre avec le micro. Cravate. Pour répondre, tu vas utiliser ce micro pour qu'on t'entende dedans. Tu l'accroches. Ouais, je peux parler comme... Non, ça marche pas. Comme ça. C'est rien. C'est dans le sens. Non, c'est bon. Ouais, merci. Oui. Oui. En fait, j'étais intéressé. Moi, je travaille sur une intégration continue qui est à peu près similaire, mais pour Android. Android, c'est 700 projets, tous plus ou moins interdépendants les uns des autres. Et donc, on a cette grosse problématique que vous avez l'air de résoudre, et qui est comment je fais pour intégrer en même temps sur un gated commit deux patchs qui sont dépendants, et comment
Est-ce que je peux donner une sur le développeur pour décrire ces dépendances cross-projet? Est-ce que vous résolvez ce problème avec Zool? Alors, il y a une autre feature qu'on n'a pas présentée durant cette présentation. Alors déjà, je veux rappeler que on ne résout pas la problématique en fait. Hein. C'est Zool qui la résout. Nous, on n'a pas développé Zool. On l'utilise par contre et on trouvait que c'était très intéressant de présenter ses fonctionnalités. Zool a été développé par la communauté OpenStack pour les besoins de la communauté. Pour répondre à ta question, il y a une autre fonctionnalité, c'est-à-dire que dans un patch, dans le commit message d'un patch, tu peux rajouter une string depends on et l'ID d'un autre patch sur un autre projet, par exemple, ou sur un même projet. Et dans ce cas-là, Zool va être assez intelligent pour préparer l'environnement de test de ton patch en intégrant le changement d'un autre projet que tu as précisé par... ça s'appelle par un change ID, c'est interne à GET. Et cela, que ce soit sur la dépendance pipeline ou l'indépendance pipeline, puisqu'on avait vu que la dépendance pipeline, en fait, les patchs sont isolés. Là, par contre, vraiment, même dans le CSS, tu vas avoir la dépendance entre les deux choses. Donc, c'est vraiment intéressant pour des situations où, par exemple, tu as un client et un serveur qui évoluent en parallèle, et pour tester les deux choses en même temps, ben là, tu veux juste deux dépendances et un autre qui va tester les deux mêmes choses. Donc, c'est vraiment, vraiment super pratique. Je répète rapidement pour la vidéo, le depends on fonctionne sur la pipeline de checking et sur la pipeline de gating. Ouais, une petite question un petit peu parallèle, c'est le Jenkins Job Builder, c'est une librairie interne ou externe à Zool? Non, c'est externe en fait. C'est une librairie qui a été développée pour les besoins d'OpenStack, encore une fois, pour pouvoir versionner les sources des jobs. Généralement avec Jenkins, on utilise l'UI de Jenkins pour définir les jobs, ce qui est assez compliqué, on ne peut pas versionner, ou alors si on peut versionner du XML, mais bon, voilà. Là, les jobs sont définis en YAML via cette librairie. Cette librairie se connecte, une fois que les jobs ont été décrits, elle se connecte à Jenkins via l'API Jenkins et déclare les jobs en XML de ce côté-là. Ok, ouais, merci. C'était pour savoir, en fait, le Software Factory, ça a l'air d'être bien rigolo à utiliser. Enfin, moi, ça mange bien. En termes d'infra, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut installer, mettons, chez soi sur un petit Raspberry, ou est-ce qu'il... Enfin, c'est quoi le dimensionnement, en fait, quoi, pour pouvoir utiliser toute cette stack de manière convenable? Alors nous, on l'utilise en interne sur cette instance, hein, Software Factory -project.io. C'est simplement une VM. Une VM, on a quoi ? C'est une VM OpenStack. Donc, si tu es, je ne sais pas si tu es familiarisé avec les flavors OpenStack, mais ça doit être une medium en fait. On doit avoir 4 gigas de RAM. Ouais. 4 on a pas mal de projets dessus. Donc, après, si toi tu as juste un ou deux projets, ce ne sera peut-être pas nécessaire d'aller aussi gros, mais au moins 2 gigas de RAM, un peu de disque. Ouais, en fait, ce n'est pas au niveau de Gary, de Zool que tu as vraiment besoin de scaler, c'est au niveau de tes jobs. Dans ce cas-là, avec Software Factory, bah, tu peux soit définir des slaves statiques ou alors utiliser NodePool pour utiliser un compte sur un cloud provider et déployer des nodes dynamiques, gérer un pool de nodes dynamiques. Et là, si tu as beaucoup de jobs, là, ça devient vraiment intéressant. Oui, là, tu parallélises. Zool, c'est vraiment bien dispatcher les jobs en utilisant NodePool. Ça, vraiment, c'est un combo super pour paralléliser et puis pour optimiser la vitesse d'intégration. Il n'y a pas photo. Voilà, une question ici. Oui. Bonjour et merci. Moi j'ai l'impression que Zool, ça permet d'automatiser le rôle du release manager. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça permet au release manager et au core reviewer de s'abstraire de certaines tâches. Qui ne sont pas très rigolotes, et ça leur permet de se concentrer sur d'autres choses. Donc effectivement, pour l'intégration de code, oui, c'est... Voilà, parce que pour tout vous dire, je suis en train de le tester pour Orange. Ouais. Et en fait, c'est une des solutions, enfin, j'en vois pas 36 000 pour arriver au déploiement continu. Ouais. Et donc voilà, quoi. Je suis vraiment épaté par le produit, et je pense qu'il existe... Enfin, je vois pas ce qui... Aujourd'hui... quel outil existe dans l'open source pour remplacer pour automatiser le rôle du release manager, j'en vois pas d'autres, quoi.
Ouais. Surtout que c'est vraiment très, très configurable. Hein. On peut configurer des pipelines sur des événements vraiment très différents en fonction de ce qui arrive du stream d'événements de Gerrit et d'associer des jobs à ces pipelines. Et, ouais. Et donc, oui, on peut. Et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, avec Gerrit, on va faire du bottom-to-up, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire qu'on a vraiment la vue dès le départ. Du coup, si on essaye d'aller un peu plus loin, imaginons qu'on ait tout le déploiement continu, etc. Ensuite, on se penche vers le knowledge management, par exemple. Et du coup, avec cette vue vraiment de base, on peut construire une base de connaissances qui va, voilà, qui va évoluer en prenant dès le départ les modifications du code source. Si on intègre par exemple la documentation ou les choses comme ça, il suffit, comme il y a un change ID, de rajouter un doc ID. Oui, bien sûr, ouais. Et de construire tous les liens en fait qui vont se construire naturellement entre les projets et la documentation. Donc vraiment, je trouve ça effectivement, super intéressant. Ouais, on peut automatiser beaucoup de choses et créer ce genre de choses, bien sûr. Si on n'a pas parlé sur cette présentation-là, on en a parlé plus ce matin, mais il y a aussi d'autres pipelines hein, que Zool sait gérer, et des pipelines qui sont plus dirigés vers justement du déploiement continu. La pipeline post après un merge, la pipeline tag après un tag justement sur votre projet, et la pipeline périodique qui permet de faire des jobs de façon journalière. Et vous pouvez également créer vos propres pipelines, hein. Rien ne vous empêche d'en rajouter de nouvelles. Très bien, mais écoutez, on vous remercie pour cette belle présentation. Vous pouvez aussi rencontrer Mathieu et Fabien en dehors de la conférence pendant...